Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Togmar. Et c'est Squalichon et un espèce de nain mineur au milieu de nous deux. Qu'est-ce qu'il fout là? Casse-toi, tu niques l'intro, bouge. Voilà, je le cache. Voilà. Donc c'est Squalichon et Togmar. Et on vous retrouve donc sur la map Aspico, sans commentaire par rapport au nom, hein, voilà. Qui est donc notre première map et que l'on retrouve puisque bah on a plein de trucs sur cette map. Et puis comme dans les commentaires de la dernière vidéo, vous avez tous demandé l'unanimité d'aller sur cette map, car on y a couru, voilà, forcément. Exactement. Pour répondre à vos désirs les plus profonds. Les plus intimes. Et donc écoutez, on va se faire le destroyer, le premier boss, parce que je considère que c'est le plus simple. Je pense que je ne suis pas seul d'ailleurs à considérer que c'est le plus simple, sachant que The Twins finalement, à mon sens, c'est le plus compliqué. Et que Skeletron est un peu chiant, mais finalement pas si compliqué que ça. Et donc on va se pencher un peu sur les potions. Alors j'avais déjà fait un petit épisode spécial pour parler des potions, mais bon, bah, on va le refaire un petit peu. Voilà, on le refait dans la série, c'est pas vraiment... voilà, c'est histoire 2 quoi. Voilà, c'est pas un tuto. Donc là, typiquement, pour le The Destroyer, on n'a pas besoin d'énormément de choses, puisque ça va surtout... Par contre, il te faudrait une lance, quoi. Non, je t'ai dit, j'ai mon archer, mon truc d'archer. Oui, mais contre... Ouais, bon. Bon, bah du coup, il va te falloir une archerie potion. Si, j'ai un... Ah ouais, mais j'ai un truc, mais... Archerie, iron skin... Le truc qui permet Aero de voler. Skin et régénération de mana. Non, ça c'est absolument pas nécessaire. Régénération de vie, pardon. Mais ça serait mieux de pouvoir voler histoire qu'il soit tout le temps en extérieur, qu'on puisse tout le temps le shooter, tu vois. Enfin, pas qu'il permet de voler, mais qui permet vert, de. Le vert, il restera pas. Il passera tout le temps par le sol. Quoi qu'il arrive. Même si on est à 10 km de haut, il passera tout le temps par le sol. Mais ça nous c'est plus de temps pour le shooter. Ben non. Il fera les mêmes trajectoires. Non, elles seront plus longues. Ouf, ça il suffit de sauter, on a les ailes, donc ça changera pas grand chose. Ouais, c'est vrai. Donc Iron Skin, potion de régénération, potion de combat. Je sais pas s'il y a une potion qui est. J'imagine qu'il y en a une potion qui augmente les dégâts physiques. Pour moi. Sais plus. Et puis une potion d'archerie pour toi. Alors. Je crois que c'est une potion qui augmente la vitesse de mêlée pour toi. Ouais, c'est possible. Attends, on va aller voir Mister Guide. Yo Guide. Mets-lui une bouteille. Exactement. Tac, alors. Ah oui, il faut qu'on fasse des potions de vie aussi. Moi j'en ai. Non, mais des potions de vie, des vraies potions de vie. Moi j'en ai. Non. Non, pas des vraies potions de vie, non. Ah, des potions de rapidité. Ça peut être intéressant ça aussi. À limite. Ouais. Ouais, on va peut-être faire ça. Donc potion d'invisibilité, c'est bien. Iron Speed, ok. Potion de mana, on s'en fout. Pouvoir magique, on s'en fout. Poids plume, on s'en fout. Ah, spéléologue, on s'en fout. Invisibilité, on s'en fout. Brillance, on s'en fout. Vision nocturne, on s'en fout. Potion de bataille, non. Certainement pas. On va éviter. Potion d'épine, ouais. C'est pas pour bien, le peu de dégâts que ça va lui faire, c'est pas forcément. Ouais, ouais. Potion de tir à l'arc, on l'a. Et ouais, donc non, Y'a pas de potion. Non, je crois qu'il y a une potion par contre, la potion qui fait briller l'ennemi. Oui. Bah fais-en. Ah bon? Comme ça on saura où il est, même s'il est dans le sol juste en dessous, tu vois. On saura exactement sa position de son corps à chaque fois. C'est pas complètement con. Donc on saura dans quel sens il va revenir sur nous, tu vois. Plus facile à esquiver. Yep. Alors, théoriquement, on aura besoin de deux potions d'Iron Skin dans le combat, donc sachant qu'on a... Ah oui. Il nous en faut 4 du coup. Voilà, deux. Sachant que j'en ai déjà 2. Il nous en faut 2. Exactement. Alors, potion de régénération, pareil, bon, ça j'en ai 5 donc c'est bon. On s'en fout. Donc, potion d'Iron Skin. Potion d'Iron Skin, ça m'étonne de pas avoir ce qu'il faut. Si, c'est parce que j'ai viré l'Iron que j'avais pris. C'est pour ça, c'est une bonne raison. Forcément. Voilà, alors ensuite, le problème c'est que la potion de chasseur, pour voir l'ennemi, il faut un aileron, je sais que j'en ai un peu, mais justement, peu. Sinon on peut tuer du requin. Oui, c'est loin, mais on peut, effectivement. Ah oui, c'est vrai que c'est une grande map ici. Ouais. Ouf, maintenant avec les ailes, on... D'autant qu'on a oui, la... mais rapport à l'autre, on est arrivé au donjon en 4 coups d'aile, ça va être un peu plus long quand même. Ah, je suis en train de me noyer. Ça peut être marrant.
Vas-y, noie-toi. Ah, effectivement, il y a des petites lampes bleues et tout, des petites torches bleues que t'as mis et tout sous les costumes. Ah, c'est stylé, hein. C'est stylé. Je suis ébahi. Bah oui, mais ça ne m'étonne pas. Un peu après au... la redstone, moi, ça m'intéresse sur le jeu. Ça peut être marrant de faire pop des saloperies, de faire des pièges à mobs et tout. J'en ai pas encore trop vu sur le net. Enfin, je pose. Ouais. Ça m'a pas bien convaincu, je t'avoue, la redstone. Ouais, c'est pas fou. Enfin, après, effectivement, peut-être qu'il y a d'autres trucs à faire auxquels j'ai pas pensé. Certainement. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne suis pas convaincu, vois-tu. Ouais, qu'il l'aurait pas poussé comme justement dans Minecraft, quoi. Ouais. Alors voilà, donc le problème c'est que. Est-ce qu'on a t'as pensé à essayer de faire des portes. Des portes or. Ou des portes end, des portes. Est-ce que tu peux faire des portes déjà? C'est un peu la question, je me suis pas forcément fondamentalement penché là-dessus. Alors on a du verre là. Tout tout tout, il nous faut des bottles. Ah, du sable. Ouais. Bon, la tronçonneuse elle va pas me servir à grand chose sur un combat, la perceuse non plus. Il y a peu de chance. Le Pawnhammer non plus. Alors Iron Skin on a ce qu'il faut, potion de régénération on a ce qu'il faut. Deux potions de tir à l'arc pour toi ça devrait être suffisant, c'est-à-dire combien 4 minutes toi ça devrait être suffisant. Potion de chasseur, une chacun. Ouais, de toute façon on peut pas en faire plus. Si je peux en faire une de plus. C'est bien. Et puis voilà, pour le machin, pour le Cthulhu, il nous faudra des potions de gravité. Je suis allé. Ah, fût. Non, c'est bon. 3 potions de gravité. Pourquoi 3 potions de gravité? Qu'est-ce qui nous manque? J'ai des plumes. Des Fire Blossom. Des Deadweed. Ah, il nous manque des Blinkroot. T'es sérieux? T'es sérieux là? Des Blinkroot. Rappelle-moi ce qu'est une Blinkroot. C'est les. Merde, c'est pas là. C'est les petites plantes qui scintillent. Ah oui, il d'accord. Nous manque un truc maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Ah bah oui, bah, les bouteilles, qu'il est con. Qui est con? Qui est con le mec, qui est con? Potion de brillance, on s'en fout un peu, hein. Clairement. Tu veux pas briller? Non, je veux pas briller en société, j'aime pas trop. Bon là, ça nous en fera un peu. On va faire j'ai une potion de bataille. On s'en fout. Ouais. C'est même à éviter, tant qu'à faire. Potion de poids plume, on s'en bat les couilles. Eh ben, écoute, on a deux vers mécaniques. Que j'ai fait hors caméra, donc que je vous rappelle, on fait grâce à des Rotten Chunk. Donc ceci, là, les morceaux pourris, ouais, morceaux pourris. Des lingots de cuivre, des lingots de fer. Et des âmes de la nuit. Alors combien exactement, je ne sais pas, mais voilà, c'est pas beaucoup. C'est genre un peu moins de 10. À chaque fois. Voilà. Ah oui, des potions de vie, qu'il a dit. Attends. Et par contre, ouais, tu m'as fait le truc de casque de mêlée. Ouais. Ah ouais, c'est chiant. Et t'as pas de quoi faire un casque distance ici, là? Si. Je pense, hein. Non, on va faire ça. Ouais, je suis pas convaincu que ça soit une bonne idée, mais fais comme bon te semble. Parce que. Moins de dépenses. Ouais. Bah après, voilà. À ce point-là. Fais comme tu veux. À ce point-là. Ah bah, ça pique, hein. Ah, mais là, je vais lui piquer moi beaucoup moins, du coup. Ouais, tu vas le piquer un peu moins. Ouais. Comme tu veux. As you want. Bruh. Bah je sais pas, c'est toi qui me dis, c'est toi qui le connais, c'est toi qui décide. Bah moi je te dis, c'est un perso, c'est un boss pour lequel faudrait plutôt être au cac, mais t'as pas de lance, donc ouais vas-y, à la limite essaye. J'ai pas de lance, ça pue les lances. Ouais, enfin contre les verts, voilà quoi. Tudum.
Qu'est-ce que je voulais en faire? C'est quoi Poplume? Que je m'en fous. Hop, voilà. Viens, on se met dans un endroit où il n'y a pas de PNJ. Ah mais on a plein de verres ici. Attends parce que je... Ah oui, potion de... Voilà, Parce que c'est moi ça. j'ai pris plein de TNT et de bombes aussi pour m'amuser. Il va sûrement y avoir un trou là, on va combattre. Si Ouais. tu vois ce que je veux dire. Je vois. J'ai environ 11 TNT sur moi. 50 bombes. Je suis riche! Hop. Est-ce que ça se fabrique les bombes? Ça s'achète certaines au truc, mais est-ce que ça se fabrique? On n'est pas Tiens, la mal nuit va convaincu pas par tarder à ça. tomber, donc tiens. Alors là, c'est le... Ouais, je me suis pas trompé. Mer Grow. Je jette les potions de soins normales. Non. Je les mets dans un coffre. Oui ou pas. Bah sinon il va les bouffer avant les autres. Bah non, tu les mets avant. Ça bouffe celles qui sont en premier dans l'inventaire. Bah les couilles, moi j'ai pris que celle-là comme ça. Tiens, viens. Potion du Ah bon? chasseur. Oui. Moi j'ai la touche de quick buff. Hein. Ouais, mais oui, bon, comme tu veux, mais. Ah, Ça marche, les vas-y, potions de fume-les. gravité. Non, mais c'est bon, c'est tout. C'est tout? Donc, potion de régénération, potion d'Iron Skin, potion du chasseur et potion de tir à l'arc pour toi. J'ai ma lance. Et du coup, est-ce qu'on fait un casque ou pas? Est-ce qu'on te fait un casque ou pas? Bah, vas-y. Bon, alors, c'est du cheat, hein, puisqu'on l'a. Enfin, je l'ai miné, moi, comme un beau gosse, là, que je suis. Oui, c'est pas du cheat. C'est bon, t'as tout miné les gîtes, c'est pas comme si t'as fait apparaître des trucs, hein. Puis au final, on pourrait Mais... aller le miner et attendre le demain pour vous faire le boss. Mais du coup, je suis sûr que vous préférez voir le boss. Mais... Bon, du coup, tu veux pas une arbalète en adamantite? J'en ai déjà une. Ah bon, d'accord. Avec 5% de coup critique. Ok, bah parfait, parfait. Bon, bah c'est bon. T'as des flèches? Des bonnes Ouais, flèches, des flèches bien j'ai et tout? 1485 flèches maudites. Après, il y a un équipement qui serait vachement bien pour toi, mais est-ce qu'on te le donne? Parce que lui, pour le coup, on l'a pas chopé. Bah non, si on l'a pas chopé, non, ça par contre, non. D'accord. Un équipement, machin et tout, non. Parce que, emblème Ranger, dégâts à distance augmentés de 15%. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Je vais Ouais. devenir une fagotte archère, moi. Mais bon, tant pis. Faudra qu'on se refasse des Wall of Flesh, parce que c'est sur lui que. Vas-y, on ira faire plein de wall of flèches. Vas-y, viens On ta ira le maman là. fléchouiller. Viens ta maman. On ira le crawling flèche. Ouais, jeu de mots. Oh, la petite maison Oh avec là bêta. là! Putain, on l'a Oh. pété. C'est pas quoi Quoi? la maison avec bêta? C'est moi qui l'ai Mais faite ça. si. Non, non, ça c'est moi Non, qui l'ai c'était faite pas. ça. On n'avait pas fait un truc comme ça. Mais si, on avait fait un truc comme ça avec Betamax ou un truc comme ça. Non, trop pas, ça c'est moi qui l'ai fait. Tout Trop seul pas? comme un Ouais, con. non, tout ça c'est toi qui l'as fait. Ouais, non. Putain, il y a des connards de fucking clowns qui l'ont pété quoi. Fu. Ah ouais, c'est mignon, t'as fait un petit village avec un cimetière? Ouais, je voulais faire un cimetière mais ça m'a cassé les couilles. Du coup, t'as pas écrit des trucs. Sachant que toute la neige, c'est moi qui l'ai mise. Il y a une tombe de cacahuètes. Non mais gâche pas tes flèches. Non mais je fais travailler mon skill. T'es prêt? Non. Déjà il fait pas nuit. Et en plus on va essayer d'aller pourrir pas le halo tant qu'à faire. Ouais, ok. Tout 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 tout. Normalement devrait y avoir la corruption pas loin. Ah ça y est, il fait nuit. Putain, j'ai mis du halo partout. Oh t'es sérieux? Oh, remarque c'est plutôt cool. Bon t'es prêt? Je l'invoque. Quoi? En même temps que Lies of Cthulhu? Vas-y, on Super. va sur le désert. C'est parti!
Ouais, j'ai vu ça. Fais gaffe en dessous, hein. Je sais pas si je le touche bien ou pas. Pas des masses, non. Bon bah... Du coup j'ai fini. Je vais pouvoir commencer à tirer à l'arbalète. Ah si, là je l'ai piqué quand même, hein. La TNT ça l'a piqué un peu, hein. Il a encore 59 000 points de vie, quoi. Allez, Lies of Cthulhu, il a foutu des petits cœurs partout. Non, c'est les... C'est les petits trucs qui pop, ouais. A chaque fois que tu les tues, c'est plutôt cool, faut essayer de... D'en tuer pas mal. Ouais. Ah, 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 ah. Mange tes dents. C'est vrai que c'est pas mal la potion du chasseur pour lui. Bien vu, Togmer. J'avais pas pris mes potions encore, moi. Mais c'est mal. Bon, je suis en train de prendre cher, moi. Cette méduse volante là, ça mob du halo. Putain, en plus il fait mal ce con. Ah, je vais crever. Ah non, démerde, mais tu meurs pas. Oh putain, y'a un verre en plus, quoi. Quel bordel. Oh, c'est maman. Il a combien de points de vie encore? 30 000 28 000, ouais. Ah, oh, putain, mais il a trop de PV ce con. J'ai mal. J'ai 20. Mais non, mais non. Je le touche là? Non. Et là? Je suis un peu occupé à courir pour ma vie, donc pourrais pas trop te dire. Cours pour ta vie, cours pour ta vie. Ah putain. Le mob du halo qui vient me casser les noix, quoi. On n'a pas choisi la meilleure arène en fait. Ah bon? Ouais, non, parce que là il y a du halo, il y a de la corruption, il y a tout ce que tu veux. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est pas grave, ça fait un combat épique un peu. Ouais, ouais, ça fait un combat. Pas encore, hein. Non, non, moi ça va pas tarder, mais. Moi ouais, ça va, ça va, ça va. Ouais, bah. Fagot Archer, c'est pas dur. Ouais, Fagot Archer, il a 50 points de vie, hein. Ouais. Wouah, c'est grave la merde, je vais crever. Non, le cœur. Non, putain, t'es sérieux, le cœur il tombe là. Ah, il... oh, fais chier. Bon, bah, crève pas, hein. Si je meurs, c'est fini? Bah, oui, c'est un boss. Ah, bah, rejoins-moi vite alors. Putain.
Je vais le quitter un peu. Ouais. Fais donc. Ah. Là, c'est lui qui me quitte, là. Secondes et il me reste 44 points de vie. Tu te démerdes, tu meurs pas. Je suis pas mort. D'ailleurs, si à l'occasion tu peux aller dans l'équipe rouge. À l'occasion. Ouais, à l'occasion. À l'occasion maintenant là. Bah du coup non. Enfin, j'imagine que t'as pas tellement d'occasion quoi. Bah c'est bon, il est mort. Il est mort là. Ouais, bientôt. Ben, je l'ai plutôt bien défoncé pendant que t'étais mort, dis donc. Je pense bien ouais. C'est bon, il est mort là? Ouais. GG, et ils sont où ces loot? Ils sont là où est sa tête. Ouais. Faut creuser le sol, c'est ça? Bah, faut trouver sa tête quoi. Ouais. Ça, c'est le côté pervers du destroyer. Première fois que je l'ai. Oh, GG. Ah bah, double mob du Halo. Sandwich. Je sais pas si tu l'as vu dans le coin de ton écran. Non. Non. Moi je te voyais encore, je crois. C'est vrai que t'as un petit écran. Enfin, tu vois moins loin. Je sais pas pourquoi. Ta résolution est plus basse ou j'en sais rien. Aucune idée. Et paf, âme de pouvoir. Et bah moi je dis GG hein. Il a le kill destroyer quand même. Bien oui, pourquoi j'ai plus de potions, qu'est-ce qui se passe? T'as pas appuyé par mégarde sur ta... C'est rien, voilà. Tu veux qu'on aille plus loin, c'est ça? Pour le refaire? Non, bah on va attendre déjà la prochaine nuit. Déjà voir ce qu'on peut faire. Tiens reviens, si mais il reste pas assez de temps. Encore? T'es sérieux? J'en ai plein sur moi. Ah mais c'est toi qui les invoques? Oui. Ah mais t'es un boulet. Et pourquoi? Bouge pas, ça sert à rien. Tu mais défonces. Oui si tu veux. Mais moi je suis pas à côté de toi donc je sais pas où il est. Ah mais t'es parti là? Bah oui. Mais pourquoi t'es parti? Je viens de me casser les couilles à te rejoindre là en fait. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, parce qu'on devait en faire un autre la nuit prochaine. Ouais, la nuit prochaine. Alors c'est pas tout de suite. Par contre, on peut faire Excalibur, tu vois. Excalibur. Si vous la mine. Ah ouais, ouais, si on peut, ouais. Ouais, ouais, on peut, ouais. On peut faire Excalibur, on peut faire. On peut faire le H-marteau, le Hammax. Comment je le défonce? Ah non, on peut pas faire le H-marteau. Donc, on peut faire Excalibur, on peut faire le Mega Shark. Et on peut faire les disques de lumière. Éventuellement. Excalibur, Mega Shark et disque de lumière. C'est quoi le Mega Shark? Bah tu sais, c'est le fusil quoi. T'avais le mini Shark et là c'est le Mega Shark. Ah ouais. C'est ça, Mega Shark des étoiles ou pas du tout? Non, ça c'est le Star Cannon ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. D'accord. Et c'est mieux que le Star Cannon, j'imagine? Ou pas? Je crois que y a rien de mieux que le Star Cannon en termes d'armes à distance. Mais bon, après ça tire plus vite, les munitions c'est un peu moins galère à choper. Ça fait bien mal quand même quoi. Je crois qu'il y a rien qui fait plus mal que les étoiles. Mais je dis peut-être des conneries après. Je t'avoue que je ne me souviens plus guère. Et voilà. Je suis ici. Donc du coup, eh ben écoute, on peut faire, ouais, on peut faire, je sais pas, Excalibur à la limite. On peut en faire deux? Non. Et tu peux faire une arbalète de fou? Non. Il nous en manque pour faire l'arbalète? Non, il nous faut les âmes d'un autre boss. Lequel? Je sais pas. Viens, on va le tuer. Qui? Bah l'autre boss. Bah oui. Enfin, non. Non?
Attends, on va regarder. Viens la guide. Alors, l'arbalète bénie, il faut des âmes de vision. Ouais, voilà, donc il faut faire Toulouse, donc non. D'accord. Encore que, on peut tester que Toulouse, quoi, mais ça va être dur. Sinon, t'as dû proposer un autre. Encore le même? Ouais, mais vas-y, on va essayer avec Toulouse. Essaye avec Toulouse? Ouais. Vas-y. C'est et après, parti. Bah, vas-y, bah, dans cet épisode, on essaye les trois boss, c'est parti. Si ça te va. Ça me va tout à fait, ça me va tout à fait. Faut qu'on ait assez pour. Enfin, faut qu'on puisse les crafter, ce dont je suis pas certain, mais. C'est dur à faire le squelettron. Oui, je sais pas. Voilà quoi, hein, bon. Ouais, je vois le principe. Alors. Tiens. Chimère. C'est cool. Pour faire des potions. Putain, j'ai plus de bouteille d'eau d'ailleurs. Parce que j'ai plus. T'as plus de. Enfin. Alors, il nous faut des deblooms, il nous faut de l'iron. Là. Et pour l'iron skin, qu'est-ce qu'il faut, je ne sais plus. Ah voilà, iron skin c'est bon, donc 4. Tiens, je fous le bordel dans tes coffres. Vas-y, rien à foutre. Et la régénération, il faut des champs. Ah mais c'était pas les coffres où j'avais passé 6 mois à les ranger. Ah mais si, ça y est, je me souviens. Bah c'est notre première map quoi. Le mec débarque, le mec débarque, chaud. Mais non, mais je sais, c'est juste pour dire que t'es un enfoiré, que tu les as absolument pas maintenus en état malgré les 2 heures que j'ai passé à les ranger. Inadmissible. Ouais, en même temps, voilà, hein. Inadmissible. Ah, voilà, voilà, voilà. C'est pas comme si j'avais eu 10 milliards de trucs à foutre dedans, mais en fait, si, quoi. Ah, mais je ne veux pas l'excuse. C'est inadmissible, c'est tout. Que je cherche du verre, j'avais vu du verre tout à l'heure. Ouais putain, ça part vite les flèches là. De l'autre côté, je crois. Ah bah ouais. Non mais tu veux pas me croire, après non mais c'est bon, des flèches on en a. Bah, je l'ai presque niqué 500 sur le boss. C'est tout. Tu vas avoir sur... T'en as combien là? Pour Cthulhu? Il m'en reste 885. C'est pas assez. Quoi, 2 c'est peut-être assez. Ouais, 2 c'est peut-être assez. Et là, il y a 2 yeux, c'est ça? Ouais. Tu as tellement pleuré ta mère. Explique-moi la strat. Trop pas. Va chier. Enculé. Tu vas crever. Tu pourrais au moins faire ça pour avoir pourri mes coffres. Je les ai pas pourris, je les ai. J'aurais mis 10 milliards de trucs dedans dans tes coffres. Ceux d'en dessous, c'est plus les miens. C'est vrai. Sérieux? Bah, rends-moi ton arbalète. Rends-moi ton stuff. Putain, mais j'ai vu du verre. Ne me faites pas croire qu'il n'y a pas de verre, je l'ai vu. Ah, sinon, prends du sable au pire. Ouais, mais c'est le même topo, tu vois. Il y en a pas tellement, quoi. Tiens, fais le tour des coffres, échappe les flèches banales. Qu'on en fasse des flèches maudites. Ah, bah voilà. Sinon, on prend du bois et du. Ouais, mais sinon, on utilise, tu vois, ce qu'on a déjà. Ouais. Ouais, écologie, mec. Écologie. J'ai chier à faire le tour des coffres pourris qui sont complètement bordel pour ramasser du caca. Nanan, caca, caca, il est où le caca? J'ai trouvé 27 flèches pour l'instant. C'est des fonds de verre, c'est ça? C'est des putains de fonds de verre. Fuck! Fuck off! Non, mais sérieusement, on n'a pas de verre là, de vrai verre, enfin, je veux dire, de. Voilà quoi. C'est pas comme si ça allait me casser les couilles d'aller chercher du. Du sable à l'autre bout de la main. Mais en fait, quoi.
Complètement. Complètement. Eh bien, j'ai récupéré en tout et pour tout pour l'instant 27 flèches. Ouais, mais j'en ai déjà récupéré donc. Pour ça, si beau, écoute, on n'a pas de putain de verre et c'est assez la merde. C'est assez dit la baleine même. À moins que j'ai des stocks de bouteilles par là ou de verre. Ah, mais je crois que j'ai du verre ici. Non, peut-être pas. Si, c'est des murs de verre, c'est des murs de verre. Pourquoi dans le L et le mépris? Fuu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 
Bon, bah vas-y. T'es chaud, patate, tout ça? Ah, tiens, c'est ce bâtard qui a tué le mec là. Ouais. Bâtard. Et du coup, faudrait. Ouais. Faudrait, en y réfléchissant. Merde, qu'est-ce que je veux dire? Excuse-moi, il y a une boulette qui crame mon sol. Je sais plus ce qu'il faudrait. Ok. Je sais plus ce qu'il faudrait. Ah si, les clochettes, les fées. Une fée qui brille. La petite clochette qui fait qu'il y a la fée qui te suit, qui fait de la lumière. Oui, non mais oui. Mais on peut pas le faire donc. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut les âmes des boss pour faire ça. D'accord. C'est ce qui coûte la même chose qu'Excalibur, tout ça. La fée, je sais plus. Faut peut-être les trois âmes un petit peu. Oh tiens, il a disparu le pif. Les trois. Ouais, faut peut-être un petit peu des trois, ou alors faut une âme Bah là on aussi. est bien, non? Ben, on va aller là. Hein. On peut voguer entre ici et de l'autre Voilà. côté. Non, on va se mettre là. Achou. 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 Pardon. Ah bah là. Voilà. Bon, bah plus qu'à attendre la nuit. Bah Oublie pas c'est tes la nuit. potions. Non, c'est pas la nuit. Bah elle arrive bientôt là. Ah, fût. Mais on est trop haut, ces chiens ils vont venir tout le temps là. Non, quand tu auras le boss, ils viendront pas. Vas-y, reviens, Wyvern de merde. Ça y est! Non, Non tu l'es mais pas. je suis quasiment mort. Bah, heal-toi. J'ai paniqué mon colonne de potions maintenant. Bah, te healer! Trace ta route! Bah, y'a une Wyvern qui me coupe le chemin. Et qui va plus vite que moi. Et t'as vu, s'il n'y a pas la place de mettre une tombe, la tombe elle apparaît pas. Ouais. Là j'étais pas sur un endroit propice vu que c'était hors d'escalier et tout. Et ça, la tombe elle est pas apparue. Et du coup, Non, on est je en train de perdre du suis. temps là, trace ta route un peu. Ouais, bah 2 secondes. Ouais, enfin c'est que Toulouse quoi mec. Ce destroyer à côté c'est une immense blague. Parti, je suis là. Évidemment, Lorraine, c'est notre Hylos, celle qui s'est fait tuer, c'est ça? Non mais elle est là, c'est bon. Elle est à droite. Et c'est Talia qui s'est fait tuer, c'est Lorraine qui est revenue. Ouais, enfin voilà, tout ça quoi. Bon, t'es prêt? Complètement. Ah oui, d'accord. Comme ça, toi. Tu blagues pas, tu Ah poses pas de putain. questions, t'envoies le pâté, tu dis même pas quand ça tourne pas. Je sais pas, ça tourne depuis tout à l'heure. Hein. Ah bon? Oui. D'accord. Donc les gens m'ont entendu rôter salement. Oui, je pense qu'ils s'en remettront aussi. Hein. C'est horrible. Par contre, si tu veux venir. Hein, Allez, mais moi je. Faut le temps que j'arrive. Puis je sais pas trop où il est, je le vois pas. Ah, t'inquiète, tu vas le voir. Là, je le vois là. Voilà. Donc on concentre notre feu sur celui qui envoie les petites boules vertes. Putain, il bouge vite, hein! Ce con. T'as été bloqué par un mur, toi aussi? Non. Je la connais, la map.
Tire sur celui qui envoie les boules vertes. Eh mais justement, j'essaie de le viser mais je le vois pas. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. 16 000 points de vie, bon ça va, ça descend bien. Ça descend bien, cela dit, on est à minuit déjà. Enfin, pas tout à fait. Mais... Ah merde, j'ai plus de flèches, pas dit, ça va être moins drôle. Celui qui lance les boules vertes, c'est lequel? Celui qui a l'œil vert? Ouais, je reviens. Il revient, c'est ça là. Il a fui en plein combat contre les twins. Genre ouais, les twins c'est pas une blague et tout. Twins, tu vas te faire défoncer. Prépare. Ah, je suis même pas buffé en plus. Moi je le vois pas l'autre là, comment je fais pour le shooter? Ah, il est là. Moi je me pète le boss tout seul et j'essaie de tenir la conversation du coup parce que j'avais même oublié que vous étiez là, c'est chaud et vous ne voyez rien du combat en plus puisque Squalichon est à 5000 feet mais je suis dans la merde, il est en train de me pourrir pendant que Squalichon n'est pas là. Ah. Et voilà, et c'est merveilleux! Enfoiré, va! Ouais, bah. Évidemment, je suis mort. Tu m'as laissé en plein milieu du combat avec le boss. Ouais, et alors, ça donne quoi? Il en est où? Bah, il est en deuxième phase, il lui reste 4000 points de vie, un truc comme ça, je crois. Ok. Bon, désolé! De toute façon, on le refera, donc voilà, tout ça, mais évidemment. J'ai essayé de tenir la conversation, mais c'était pas facile, hein, j'étais concentré. Ouais, ouais, non, mais voilà, évidemment, c'est à ce moment-là que les gens débarquent, tiens. Bah, c'est préférable. Bah, ouais. Parce que c'est pas comme si ça faisait 3 heures qu'ils devaient arriver, tout ça. Alors. Par contre, tu je m'en sors bien, hein. Tu fais genre c'est une blague, mais je prenais plus de dégâts sur l'autre, hein. Non, ah, les deux sont en phase 2. C'est parce que tu. Ouais, bah, voilà. Alors, typiquement, ce qu'il fallait pas faire, jouer Tug. Ouais, ça va, je le vis bien. Ouais. Putain, mais t'es loin. Tu peux pas revenir un peu vers moi là? Ah bah, je suis en train. Ah, chouette, une wyverne. Ah, il pique ses lasers en plus à ce bâtard. Oui, pour ça qu'il fallait pas le foutre en deux. J'en ai tué un. J'ai tué le deuxième. J'ai bientôt plus de flèches. Ouais, mais c'est bon, j'ai assez de flèches. Ah, il m'en reste 250, mais disons que c'est plus des maudites, quoi. Ouais. Ça va pas du tout être assez. Et si... Ouais. C'est pas grave, tu vas prendre le relais. Il lui reste quoi? Il lui reste... 6700 points de vie. Ah ouais, bon, c'est gagné, c'est cool. Bah ouais, heureusement que je suis un PGM. Ouais, j'en doute pas. Du coup, t'as fui de l'autre côté avec lui, quoi. J'ai fui avec lui. Ouais.
Je sais pas, je le vois plus là. Ah si, voilà. Dégage la Wyvern, putain! Où est-ce qu'il est? Sur moi! Ah! Si on a plus de flèche, je suis fidèle au sol. Hein. Bim! GG. Bon, bah voilà. Et l'autre côté, il est mort plus par là-bas. Non, non, mais ça loot tout ici. Ça loot tout ici? Ouais. Ok. Bon, bah écoute, ça c'est fait. Ouh. Bon, bah alors, je croyais, oui, non, mais. Ouais, en multi, ça passe. Hein. C'est un peu décevant d'ailleurs. On aurait pu les faire encore plus fort en multi. Ça aurait pu être plus marrant. En multi ça passe, en multi ça passe, c'était en multi tout seul là un peu hein. Mmh, ça se tient. Alors, eh ben, on peut faire l'arbalète. J'ai pas mon miroir, j'ai pas mon miroir. Et t'as pas ton miroir, GG. Ah, on peut faire la petite cloche. On peut faire la petite cloche et quoi d'autre? L'arbalète. L'arbalète ou la cloche? Sachant que, ouais, pour ce que le Tron Prime, l'arbalète, l'arbalète est pas de, pas de refus, ouais. Pas tant qu'à faire, fais l'arbalète, hein. Ouais, le truc, c'est qu'il nous faut, il nous faut l'arbalète de Mithril et l'arbalète de Cobalt. Je les ai sur moi. Bon, bah, ainsi que celle d'Adamantite. Oui, non, mais ça, je me doute. Bah, c'est cool, écoute. Alors... Moi, c'est combien de flèches? 500, 750, un petit peu plus. Moi, je vais racheter quelques flèches à l'arm dealer. Histoire d'être peinard. Hop là, voilà. On va faire. Je les ai foutus. Ah, fût. C'est là. J'ai eu un du vol, on s'en fout. Les... De quoi? Non, mais je fais en sorte de ne pas mélanger les âmes qu'on loot sur les boss avec celles que j'ai déjà lootées. Par contre, les âmes de vol, les âmes de lumière, les âmes de oh, nuit, c'est bon, ça, ouais, Soul of Light, Soul of Might, on en a farmé assez pour se dire que ceux-là sont légites. Voilà. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'on a plus de potions d'Iron Skin et de régénération. Moi, j'ai 2 potions d'Iron Skin, j'ai 3 potions de régénération, j'ai encore 3 potions de gravité. Ouais, genre, tu t'en sers pas, en fait, des potions, quoi. Si. Mais à chaque fois, je m'en sers une fois, je me buff une fois au bout de 1 ou 2 minutes que le combat a commencé, ça va me servir jusqu'à la fin. Ok. Ah oui, donc, Skeletron Prime, il faut des os, si je dis pas de conneries. Alors, des os, c'est pas des os, ça c'est des licornes. Ah, y'a des os là, tac. Il me semble, petit guide, où es-tu? Tu es là-bas. Skeletron Prime. Bim! Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain. Ça c'est beau. Et tu t'es re-tépé? Non, je suis juste au-dessus de toi. D'accord. Non, mais j'ai cru que le TP s'était fait dans l'autre sens, j'ai halluciné. Putain, il faut 17. Il faut 30. 30 os. On en a 30, convaincu. Si, on doit bien en avoir 30, je pense, ouais, si. On doit en avoir allègrement 30, en fait. Voilà, ça c'est bon. Bon bah, c'est cool ça. Ça, c'est bon. Moi, après, je te propose une pour. Ah, fût. Pour le prochain épisode, je te propose un épisode genre. Les étranges expériences, tu vois.
Genre on essaie de faire pop, on prend toutes les statues, on les met en ligne, on fait un circuit de redstone et on les fait on les allume toutes pour voir lesquelles pop et lesquelles pop pas. Ouais, alors peut-être pas pour le prochain parce qu'il nous reste encore énormément de choses à faire en fait. De Ah stuff bon? à faire. De stuff? Ah ouais, c'est vrai. Pour être opti et tout. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et il y a toujours la map game hein, qu'il faut revoir du coup avec les nouveaux ajouts, les nouveaux épisodes et tout, il y a plein de nouveaux trucs. Ouais. La map game. Hop. Je filme ou je filme pas? Non, je filme pas, c'est bon. C'est bon, d'accord. c'est bon. Voilà, alors on a dit qu'il fallait faire ce que les 30 primes. Donc j'ai les os, j'ai les âmes de la nuit, les âmes de machin, les lingots. Tac tac Go! tac. Il va me manquer quoi comme potion, moi? Potion d'archerie que j'ai plus. Non, mais on a plus de bouteille donc. Ah, faut aller chercher du sable. C'est ça? Ouais, mais je pense qu'on va vous reprendre la nuit tombée. En Après avoir raison dû de. chercher du sable et. Ouais. Et en raison de difficultés techniques. Aussi. Histoire d'éviter de. Ouais, c'est une bonne idée. Pas con, hein. C'est pas con. On va faire ça. Donc on se retrouve tout de suite avec du sable, des potions, des machins, des trucs, des bidules et Skeletron Primes. Qu'on va ruiner à tout de suite. Hop, on se retrouve donc, c'est la nuit. On va pas trop tarder parce que elle est déjà un peu avancée. Hop, et je me hop. Suis buffé donc go, envoie. Et hop, go. Et alors on a la moitié des buffs parce que finalement on n'a pas tellement trouvé finalement de fucking. On va les couilles, on a pas besoin de buffs. T'as un déplacement, on se déplace, on fait un déplacement latéral. Oui, pas tellement besoin. Hein. Suffit de lui tourner autour. Aïe. Biatch. Et il y a 4 bras ce con. On peut arriver à lui péter. C'est pas une référence au personnage de Star Wars? Ouais. Ouais. Le Grievous. Le robot là, voilà Grievous. Ouais, j'avoue. Putain, il route dessus. En plus, il tire des lasers et tout, franchement. Ouf, après il tire des bombes aux filles quoi. Ouais. Ouais, non mais peut-être hein. C'est vrai que Grievous il a pas de pique sur la tête normalement. C'est pas tellement un squelette non plus. Arrête de te barrer à 3000 km là. Ah mais moi je me barre pas à 3000 km. Si, ouais. Si tu te barres à 3000 km. Tu te barres complètement à 3000 km. Si tu tournes autour gentiment hein, peut-être éviter qu'il se barre hein. À 3000 km. Ah mais sinon il me rush dessus moi. Ouais. Attends, si tu tires à l'aveugle. Yeah. Alors il en est où le mister? Ça pour regarder les points de vie par contre c'est pas évident. 22 000, je crois, 25 000, 22 000. Les bras. Moi je vois pas ses points de vie à ses bras. Moi. J'avoue. Pourtant ils ont bien des points de vie si tu peux les faire disparaître. Ah. Surtout te fais pas toucher quand il fait son truc avec sa tête, voilà ça. Quand sa tête tourne. Ouais. Ça pique. Ça pique vénère ça. Bon après nous, qu'on est à distance c'est pas trop grave mais c'est pas trop dangereux. Ouais.
Ah, j'ai plus de potion de gravité. Perdre 5000, faut qu'on commence à se tracer. Hein. Certes. Merde, descends un peu. T'es où? Non, mais où est-ce que t'es? T'es... Je sais pas combien de flèches j'ai tiré, mais il y en a déjà 1000. Sur 1500, j'en ai plus que 700. 800 donc. Putain, mais mec, mais. De quoi? Aïe, aïe, aïe. Ça tombe pas, c'est ouf. Il est à... trop de PV. Oh, il a 80 000, je crois. Ouais, 30 000. Ah ouais, quand même. Il a plus que deux bras là déjà ou... Il en a plus qu'un, non? Deux. Allez, deux. Oh. Allez. 11 000. Aïe, putain. Aïe. Oulala, ça commence à être chaud pour moi. Faut que je prenne le relais, recule. Ouais, j'ai peur, d'accord. En plus j'ai plus que 17 secondes de gravité. Et j'en ai plus derrière. 28 secondes. Ah le salaud! Meurs infâme créature! Ouais, il y a 7000 encore. Aïe. Descends un peu mec, j'ai plus de gravité moi. C'est bon, j'en ai plus non plus. Je suis convaincu en quoi c'est bon mais... putain, ça pique. Flèche un pipété. Y'a un bras qui est mort encore. Je crois qu'il n'y a plus de bras. Wow 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 wow. Ah il fait jour. Ah ouais c'est ça qui nous a tué. Je pense à un mois il est arrivé, il m'a mis 9800 quand même hein. Ouais non mais c'est ça, écoute la musique il fait jour. D'accord, moi j'ai pas la musique. Et on se retrouve longtemps après en ce qui nous concerne, vous immédiatement. Nous ça fait bien longtemps qu'on n'a pas tourné. Ça fait bien longtemps exactement, parce que bon, petit problème de place sur PC, tout ça, bref, la vidéo a coupé, mais ça tombait bien puisqu'on était à la fin, au moins elle a tenu jusqu'à la fin de Skeletron, bien aimable c'est de ça. Sa part. Et donc on s'est fait défoncer, voilà, on vous disait à cause du jour hein, qui est bien dû. Un manque de DPS de notre part. One shot quoi. Ouais. Manque de DPS, mais on était pas trop concentré, on a pas commencé au tout début de la nuit, je crois non plus. Ouais, puis on avait des flèches à la con, enfin bref, on a fait de la meule.
Mais on va lui foutre une petite rouste, et puis derrière on a encore ouais, quelques petits objets à montrer, voilà, et puis. Et puis on attendra Et la ce prochaine sera mise ça. à jour. Puis on attendra la prochaine mise à jour Il y a d'après. le château, il y a toujours le projet château à continuer après. Ah oui, il y a d'autres trucs, hein, mais La game. sur lesquels on va pouvoir se pencher d'ailleurs plus activement, Luco. Encore que toi, tu es c'est un blessé de guerre, Togmar. Oui, voilà, moi actuellement j'ai le scaphoïde cassé, donc c'est pas évident. Depuis la dernière fois qu'on a tourné, moi j'ai le scaphoïde cassé, et j'ai été opéré et j'ai un plâtre depuis bientôt 3 semaines. Donc pour vous dire Pendant que encore voilà. 2 mois et 1 semaine, donc c'est ça, c'est Voilà. 3 mois, je crois, hein, tu le chopes. Ouais, c'est ça, il me reste en gros 2 mois et 3 semaines. En gros. Du coup pas de Terraria, puisque, Bah, difficilement. enfin, on va essayer de s'arranger, mais notamment comme il nous reste que les trônes, Togmar, je le vois assez mal faire ce que les trônes avec un bras dans le Parce que plat. là, c'est soit je me déplace, soit je clique. Mais je peux pas faire les deux en même temps, j'ai qu'une main. Du coup, pas évident. Du coup, pas évident. Mais bon, on va essayer de s'arranger. On verra. De toute façon, il y a d'autres choses. Si je sais que vous ne rêvez que de Terraria et de Incube We Trust, qui devrait. Épisode 1 de la Oui. saison 2 ne devrait pas trop tarder. N'empêche, vous voyez le sérieux de notre émission et de notre série. Bon, même le bras cassé, on vient de tourner pour vous. C'est pas magnifique? Tout à fait. Ouais. Je suis pas convaincu par contre. Dernier Bah, argument, quand même. attends, même le bras cassé, on professionnel et tout, on vient tourner et tout. C'est pas mal quand même. Ouais, après professionnel, au niveau de on tourne une fois tous les 4 matins, tous les Oui, 14 bon, matins plus d'accord. exactement d'ailleurs. D'ailleurs, faudrait trouver des plages horaires et tout, faire un truc, tu vois. Bah oui, mais bon, c'est pas comme si on avait des emplois du temps bien fixes quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je vais aller taffer à McDo là cet été et puis Tiens d'ailleurs, ouais, en parlant de cet été, Japan Expo du 5 au 8 juillet. Où Obisam notamment va, et je sais qu'il m'avait dit qu'il y avait plein de gens qui allaient, des youtubeurs, machin plus ou moins connu. Enfin, moi je connais pas trop les youtubeurs, m'intéresse pas trop. Et donc, du coup, donc Obisam y va, et il y a pas mal de gens d'Endilin, donc notre petite communauté machin, D'accord. qui y vont. Et donc, du coup, moi je vais peut-être y Peut-être qu'il aller, y avait. très certainement y aller, a C'est où? priori samedi. C'est où? C'est à Paname, C'est quand? 5 au 8 juillet. 5 au 8 juillet à Paris. Ouais. Tac, 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 tac. 5 au 8 juillet à Paris. On est le 15, donc c'est dans 15 jours, 3 semaines. C'est ça. Ouais, faut voir. Donc vas-y, continue. Et ben ouais, non, voilà. Donc moi j'y serai très probablement le samedi. Peut-être. Je sais que Obisami va samedi. Donc j'irai samedi, ne serait-ce que pour le voir. Après, par contre, Endilin, je sais pas quand ils iront. Donc on va essayer de s'arranger pour y aller tous samedi. Ça serait cool. S'ils y vont pas samedi, bah du coup moi je viendrai 2 jours. En tout cas, si vous voulez être sûr de me voir, donc peut-être toi, Togmar, ce serait cool. Et ben samedi. Et voilà, on essaiera de se faire reconnaître, je sais pas bien comment. Enfin, on verra. On verra tout ça. Enfin voilà. Moi, je serais habillé en noir avec les yeux rouges. Non, c'est une blague. Non, on essaiera d'avoir des t-shirts Togmar et Squalichon, genre un truc comme ça. Topichon, carrément. Enfin voilà, bref, on va se démerder. Et donc pour Incube We Trust, eh ben, Obisam justement, il faut qu'il fasse vite fait un petit truc, mais là il est en galère avec son serveur, mais bon. Il n'y a plus grand chose à faire pour l'épisode 1, et puis il faudrait qu'on puisse tourner, Togunet d'ailleurs. Oui. Et. Bah moi je suis dispo là, viens on va tourner après. Ben non, parce qu'Obisam il est pas dispo. Eh bah. Eh ben oui, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose. Enfin bref, voilà. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Et désolé donc pour la petite coupure, encore une fois, limitation de. Mais l'année prochaine, j'espère bien pouvoir avoir du matériel un peu plus Après avoir travaillé à cool. McDo. Exactement. Bah de cet été je taffe à McDo et puis je pense leur dire que l'année prochaine je taffe à McDo toute l'année, donc bon, ça pourra me payer un petit PC bien tranquille. Ça devrait aller. Bon Me bah tu voir seras. Eh, vol de la sauce Big Mac pour moi. Ce que je kifferais bien aussi, c'est acheter un petit truc pour faire des vidéos console, ça pourrait être pas mal, parce que c'est ce que je voulais faire cette année, et puis bon, ça n'a pas pu le Un faire. HDPVR. Ouais, c'est ça. C'est cher Ça ça serait un peu classe. C'est assez cher, 140, 150 balles. ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Et en Et au plus, il fait, faut un tiens, PC d'ailleurs, qui il y a tourne, le quoi. jeu Game of Thrones qui est Oui. sorti. Il y a deux jeux Game of Thrones, en fait. D'accord, et ben moi je te propose de faire des tests de ces jeux, vu qu'on aime bien Game of Thrones, vu que machin, même si c'est de la merde, pourquoi pas faire un test, tu vois. Après, je sais pas ce que ça donne du tout, hein. Alors, Vu je sais l'éclaté. qu'il y en a deux qui. Enfin,
pour l'instant là il y en a deux et je sais qu'il y en a un qui est pourri et un qui est bien. Non, mais moi ce que je crains c'est que la licence va être exploitée, surexploitée, que ça va être des jeux de merde qui ont été bâclés. Bah apparemment non, apparemment il y en a un qui est bien, il y en a un qui est vraiment bien. Et l'autre par contre ouais qui est assez pourri. Bah, mais je sais plus lequel est bien, lequel est pourri. Parce qu'il me semble qu'il y en a un qui est sorti déjà. Ouais. Et moi j'ai vu la pub à la télé en fait. Okay, je sais pas, enfin faudra qu'on voit. Ouais bah écoute pourquoi pas, pourquoi pas. Mais vas-y moi je te propose. Tiens t'as vu on peut faire du sur place. Hein? Où est-ce que t'es? Regarde. Ah oui d'accord, ok oui. Super Togmar. Super. C'est cool. Ah ouais, j'aime bien faire des trucs comme ça. Bon, et mais ouais, le Japan Expo. Bon, après, Japan Expo, moi j'aurais plus été un truc genre l'E3 ou une connerie comme ça, tu vois. Par exemple, bien sûr, tu me payes le billet d'avion et puis l'hôtel là-bas, il n'y a pas de soucis. Non, mais ou alors, ou Tokyo, même Tokyo Game Show, moi je kiffe bien là, vas-y, on y va. Ouais, non, mais moi je voudrais bien, mais ça c'est un peu loin après, tu vois. Mais je veux dire, l'E3, c'est. Bah, on est à peu près à égale distance hein, de Los Angeles et du Japon. Oh, ouais, peut-être un peu plus, hein, le Japon. Je veux dire, la Japan Expo, c'est plus un truc sur la culture japonaise, plus que spécialement orienté vers les jeux vidéo. Oui, tout à fait. Et donc, après, moi, je suis, oui, culture japonaise, oui, un peu, mais bon, pas non plus, enfin, oui, mais bon, quoi. Oui, non, mais on s'en fout, on va bien se délirer. C'est oui, plus, voilà, c'est on, ça, mais bon, on après... Tout, ça sera une, l'occasion aussi de faire une IRL, c'est cool. Ouais, j'avoue, de voir des gens et tout, ça peut être marrant. Et puis de se croiser, quoi. Exactement. Il y a une clope. Exactement, exactement. Ouais. Tu sais que les streamers ils m'ont dit qu'ils me paieraient une clope et tout. Ah ouais, ouais. Ils viennent et tout. Bah ouais, ouais, ils viennent. Ouais, c'est pour ça, ça va être cool. Va être cool. Et il y a Golden aussi. Oui, on va voir Golden. Golden. Tu vas prendre. Oh, tu vas prendre. Tu vas prendre. Bon, elle va plus venir finalement. Là, elle est en train de décommander. Là. Elle va sur le site SNCF. Annulation de la réservation. Est-ce que vous me remboursez? Non, je dois payer quand même, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, moi, je vais pas. On déconne, Golden. Elle envoie son billet ouais. à une pote. Enfin, non, à une fille qu'elle connaît, qu'elle aime pas. Tiens, vas-y. Tu diras que tu t'appelles Golden. Fais-toi un t-shirt Golden. Bref. Vas-y, bah je vais essayer de nous faire les t-shirts Togmar et Squalichon là. Yes, ça serait cool. Vas-y. Ça serait grave cool. Et comme ça, on essaiera de se retrouver avant et tout. Exactement. Bon, enfin, en tout cas, encore une fois, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres trucs. Donc, pas Terraria a priori pendant un petit moment parce que ça va être un peu galère ou à la limite des. Oh, à la limite, on peut, ce qu'on peut faire, c'est faire justement tous les objets un peu à la con. Ah ben non, parce que tous les objets à la con, il faut pour ça tuer les boss. Ouais, donc non. Bah voilà. On l'a dans non, le mais cul, ce qu'on peut faire à la limite, par contre, c'est un épisode genre marrant où on essaie juste de survivre parce que je suis une grosse merde et que je vais crever tout le temps, tu vois. Oui. On peut genre un épisode survival avec un objectif où on place un coffre dans le décor, il faut juste aller récupérer un truc. Et mais tu sais quoi faire. Oh si, tiens, j'ai une idée. On peut faire, on se met en mode hardcore. Ouais. Et on refait un truc en mode hardcore avec deux personnages en mousse, genre déjà hardcore chaud. Et en plus, genre moi, il faut globalement que je te protège. C'est un peu en mode casser, survival, ouais. Tu vois, un peu genre The Last of Us, où le mec il doit protéger la petite gamine qui est finalement pas l'air si. Mais moi, je suis pas une petite gamine, hein. Je t'en non, voilà. quand même, un peu de dignité. J'ai un gros hub, je le pose sur la table. Voilà. T'as vu mon gros hub, regarde ça. Je vous fuis et je rentre à ma maison. Comme on dit. Voilà, mais sinon, donc on va. Incube With Us, je m'y attelle énormément en ce moment, donc il ne manque plus que. Malheureusement, évidemment, au moment où moi j'ai pas mal de temps et où je m'y mets beaucoup, bah Obisam est un peu dans la galère, mais on va essayer. Il faut qu'il remette à jour son serveur, il a une couille machin. Quand ce sera fait, j'espère qu'on pourra tourner. Obisam, il a aussi un truc. Enfin bref, on ne parle pas parce que. Ne communique pas dessus, donc on peut communiquer à sa place. Et puis bah nous, ouais, peut-être Game of Thrones. Ouais, faudrait qu'on fasse des tests de Game of Thrones, peut-être un peu de Diablo 3. Peut-être du Diablo 3, mais là encore, tu vois, mon PC commence vraiment à, ah oui, putain, à galérer. Ouais. Mais encore une fois, je peux filmer, je pense. C'est vrai. Je peux essayer, mais... tu vois. Oui, non, oui, c'est vrai que si je filme, c'est mort. Mais même à deux, tu vois, même solo, là, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Diablo parce que même solo, mon PC commence vraiment à galérer à le faire tourner. Donc à deux. On peut essayer, mais. Attendez. Ah. Ouais. Relou. C'est pour ça que j'ai taffé au McDo. Chiant, mais ouais. En plus, il y a des gens très bien qui travaillent. Tout, en fait, Guild Wars, moi, ça me gonfle.
Ouais, bah j'ai bien compris que t'avais pas l'air fanounet. Mais en fait, moi, c'est les mêmes RPG en général, tu vois, ça m'a tué, quoi. J'ai trop joué à Trop WoW de et c'est MMO, fini, tu es quoi, le tu vois. MMO. J'ai plus envie de jouer à ces conneries, tu vois. Je trouve plus ça marrant, en fait. C'est tout le temps pareil, tout le temps farmer des putains de mobs, des milliards de mobs, tout le temps. Mais je t'avoue que. Sans Je t'avoue que scénario, sans. là, Guild Wars 2, la deuxième bêta, j'ai très très peu joué finalement, parce que j'avais joué essentiellement avec Temul, avec toi un peu, mais avec Temul et Muscade, et puis comme ils étaient pas là, finalement j'ai assez peu joué. Moi aussi parce que j'ai fini le scénar qui pour l'instant est proposé. Le scénar n'étant pas fini, mais pour l'instant celui qui est proposé, Ah il non, est mais moi fini. franchement le scénar moi je l'ai trouvé plat quoi. Enfin moi j'ai Ouais, pas trop vraiment mal, pas accroché quoi. je suis d'humain en tout cas. Ah mais moi j'ai. Non mais j'ai pas fait un humain quoi, mais T'as fait j'ai pas bien. accroché sur ce qu'on a fait ensemble quoi. Enfin, franchement on a fait des trucs, on savait même pas ce qu'on faisait, on participait à des événements, on savait même pas pourquoi. Ouais, mais c'est parce que tu regardais pas. Ça s'arrêtait Bordel. pas, c'est pour ça. Enfin, bref, toujours est-il qu'on trouvera des trucs à vous faire de toute façon. C'est ça, de toute façon on vous laissera pas sans rien comme ça. Ne serait-ce que des vidéos où Squalichon se fout à poil sur une musique dancehall Tout à ou un fait. truc dans le genre. Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah voilà, hein, écoute. Écoute, On écoute. devait juste dire au revoir, ça dure Oui, encore un ça dure quart une d'heure demi-heure, comme comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ça d'habitude. dure vraiment un quart d'heure, tiens, parce que tu sais. Il y a le match là qui a commencé, 18 minutes de jeu, on a commencé, il venait de lancer le machin, donc voilà, ça fait 19 minutes qu'on tourne pour dire au revoir, ce qui prend bah, 15 secondes quoi. Voilà, au revoir. 2 secondes. Ah mais c'est bien, on donne des infos et tout. Que au survival, les gens qui ont été à la fin de la vidéo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, bon, cette fois on y va vraiment, hein. Merci à vous, Allez, bonne bière. merci et puis à Joyeux la Noël. prochaine. Et joyeux Noël, bien entendu, bien entendu. Allez, tchou!